Réveil dans le quartier de Cotanda, mon quartier un petit peu chaud, mon quartier où j'ai super bien dormi, l'air de rien. Aujourd'hui, le programme, on va faire tous les trucs en coup. On va finir, je vais commencer par la fin. C'est Rajuku ou Shinjuku? Bon, bah, j'ai déjà dit les deux trucs en coup. Il y a l'un des deux trucs à Rajuku ou Shinjuku. Donc il y a deux trucs à Rajuku et Shinjuku. Bon, on va quitter Gotanda. La gare est là-bas, ouais, ça va être blindé de monde encore. 6h30, c'est l'heure où les gens vont aller au boulot, on est lundi. C'est le cinquième jour. J'ai trouvé mon train, c'est soit la 1, soit la 2. C'est bouillant, j'ai une choupée. J'ai rien calculé d'ailleurs. Bon, je vais éteindre parce que c'est le bordel. Maintenant, il faut que je trouve la bonne sortie parce qu'il y en a un petit paquet et on se retrouve. Ah, je crois avoir trouvé ce que je voulais. Il n'y a personne. Il a fait de venir de bonne heure parce que c'est un spot de rendez-vous, c'est blindé de monde. On voit que ça a été la fête hier. Belle cette fresque. Il y a plein de films qui ont été tournés ici. Resident Evil, Fast and Furious. Avec un beau petit jardin, c'est chouette ça. Hein, c'est un Disney Store, l'entrée est pas mal.
c'est la gare d'Alajuoko qui va être détruite pour être remplacée par un complexe beaucoup plus moderne. La pub contre le harcèlement dans les trains, je pense, ou autre chose, j'en ai aucune idée, mais il y en a plusieurs dans le même style. On va aller faire un petit tour au Meiji Jingu. Vous êtes ici. C'est marqué vous êtes ici. On va remonter, passer le tonneau qui est là, et puis le temple est ici. Et après on ira au parc qui s'ouvre là pour manger. J'ai acheté 2-3 merdes pour Combini. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Yoyogi Park, c'est un grand parc. Et il y a un soleil qui me crame la gueule. La manifestation des gilets jaunes au Japon se déroule dans le calme et l'ordre. C'est casse-gueule mon truc, comme ça. Switch à l'œuf, c'est une tuerie, c'est vraiment très très bon. Prochain truc, je prends que ça. Je pourrais bien faire une sieste moi. C'est bien des pieds à main. Enfin des grandes tailles, mais bon, j'ai passé l'âge. Ça avance vite quand même.
Moi je veux les petits chiens. Boire un coup avec les bestioles. C'est ouvert. Descendre. Alors en bas c'est des chouettes. Et en haut c'est les chiens. Je veux les chiens, je veux les chouettes. Les chiens. On prend 3 et. Et me rapprocher du parc Yogi où je suis repassé un petit moment à me détendre les pattes. Je suis resté pas mal de temps à déambuler dans les rues. J'ai pas tout filmé. Hein. J'étais dans un café à chiens là, 800 et quelques yens. Comme pour la grande roue, c'était 800 et quelques yens de bien dépenser. Voilà, c'est des chiens, ils sont mignons, mais ils s'en foutent, ils en ont plein le cul hein, depuis le matin. 11h, ils se coltinent du monde toutes les demi-heures, donc les chiens, au bout d'un moment, ils en ont plein les pattes. C'est le cas de le dire. C'est énorme quand même, on va essayer de bouffer ça sans foutre partout. Et voilà, c'est super, super diététique sûrement. C'est les fameux poissons fougou qui sont toxiques, voire même mortels, et qui doivent être préparés spécialement par un cuistot. Combien ça coûterait? C'est tout en japonais, c'est... Waouh. Ah ouais. Non, ça calme. Ce soir, un petit plaisir, du yakiniku, de la viande grillée avec un barbecue. Je vous dis ça. Alors le chou, j'ai goûté, je valide. Ça, c'est la soupe miso. Tiens, je vais la goûter tout de suite.
Je ne valide pas. C'est pas GG. Du riz, ça c'est pour beurrer le barbecue. Et de la viande, des champignons, il y a tout ce qu'on veut. Comme on dit par ici, les tatakimasu. Il y a plus de monde aussi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde, hein. On est en début de soirée. Il n'y a que des petites ruelles comme ça. Sans le verre. Elles ont plein de charme, ces petites rues.